Yo tout le monde, c'est Unit Production pour une vidéo en mode franchise, pas en devient déjà, en mode franchise pour le premier épisode avec les Nordiques de Québec. Avant, je veux juste vous montrer comment je vais faire pour mettre les Nordiques, ok? Juste pour que vous compreniez. Donc, mode franchise, j'ai déjà essayé avant. Et là, je vais faire un nouveau. Je vais mettre YouTube le nom. Et juste... Pour le trailer, j'avais dit que ça, j'échangerais les Hurricanes à Québec, mais The Rock a déjà pris les... Je m'avais pas informé, The Rock a déjà pris les Hurricanes de son devient DG. J'ai fait, bon, on va pas faire deux YouTubers avec les Hurricanes, donc je vais déménager l'Arizona. J'avais déjà parlé d'Arizona, vous m'avez dit, oh non, pas Arizona, genre, sont pas dans la division du Canadien. Donc, pour que vous voyez comment que ça marche... Là, j'ai toutes les divisions dans ma face, ok? C'est Columbus qui va être copé, qui va retourner dans l'ouest, dans le fond. Ou Détroit. Est-ce qu'on va mettre Détroit dans l'ouest? Je pense qu'on va remettre Détroit dans l'ouest, parce que pour moi, Détroit, c'est encore une équipe de l'ouest. Fait qu'on va faire remplacer équipe. J'ai créé une autre équipe, c'est Détroit, oui, mais là, c'est pas notre Détroit, là, c'est Détroit Unit. Puis, vous devez créer une équipe, puis vous devez juste mettre des joueurs, genre 60 overall, parce que sinon, ça duplique les joueurs. Fait que les joueurs, vous savez qu'ils n'ont aucune chance de jouer dans NHL, vous les pognez. Et là, vous arrivez sur l'équipe des Coyotes. Vous la remplacez par les vrais Détroit. Et, pour les Détroit Unit, vous faites remplacer équipe, là... Arrêtez de m'inviter, pour vrai, là, ça commence à être fatigant. Ça fait genre 40 millions d'invitations que je reçois aujourd'hui. Donc, Coyote d'Arizona, vous faites continuer. Puis c'est fait, vous faites accepter le déménagement. Je vais repêcher effectif. Repêchage effectif, non. Signato des agents libres, non. Gestion automatique laissée, non. Balotage, on va le garder. Après, il faudra juste que j'aille enlever. Bon, on peut garder ça, ça va faire un peu de challenge. Fait qu'on va faire continuer. Et, ouais, c'est ici les blessures. Donc, paramètres rapides. Difficulté, non. Blessure, vous faites non. Comme ça. Et c'est parfait. Débuter carrière. Conserver plafond salarial. Oui, sinon il n'y aurait pas de paramètres challenge. Et là, dans le fond, aujourd'hui, ça va être un épisode court. C'est juste pour vous mettre en contexte. Puis si vous voulez vraiment pas les Coyotes, au prochain épisode, je vais pouvoir changer d'équipe. Sinon, mais les Coyotes, c'est vraiment... Coyotes puis Caroline, c'est deux seules équipes qui ont vraiment beaucoup de chances de déménager. Puis, ben c'est ça. Fait que c'était une des deux équipes, puis je voulais pas faire comme The Rock. Fait que j'étais obligé. Puis là, vous voyez, je suis dans la division du Canadien. Là, il faudra que je change l'équipe. Mais avant, je vais aller modifier les trios. On modifie les lignes. On n'a pas mal là-dessous. Fait que c'est ça le point positif. L'entraîneur a joué pour aider. Bon, on va faire avec. Donc, Verbata, je vais pas Verbata sur le premier trio. Je vais mettre Duclair pour le faire développer le plus possible. Il a fait une saison de 44 points l'année passée. C'est quand même bon. Domi, lui. 52, fait que c'est excellent. Il s'est fait 12e overall, puis lui 80, ok. Datsuk, c'est quand même 171. Donc Datsuk, il reste combien d'années à son contrat? Après son contrat, ok. Il reste une année, il risque de prendre sa retraite après. Donc on a vraiment pas un gros club. Dave Bolin, lui, on est coincé avec à cause de son contrat. Ryan White, ok. Martinoc. Ouais. Richardson. Je pense que j'aime mieux mettre Martinoc ici. Je connais aucunement Martinoc. J'ai aucune calice de c'est qui. Mais franc-tireur. Non, j'aime mieux mettre Megan quand même. C'est qui les joueurs qui sont retirés? Retirés. Thénardy, McBain, puis Kadlec. McBain, on va mettre McBain, Kadlec, lui c'est qui. On va le mettre. Thénardy, a-t-il encore une bonne valeur? Non, ok, bas, top 6. On va le mettre quand même parce qu'il y a quand même une valeur. Donc, défense, c'est quoi? Agumon, Larson, Goligos. Ok, on a une bonne défense quand même. On a une excellente défense même. Juste Mialek, je pense que je vais échanger. Oh, il reste une année à son contrat. Fait que je pense que je vais juste descendre Thénardy dans la Ligue américaine. Ligue américaine, ça ressemble à quoi? Cunningham, Mueller, Steve Downey.
On va juste monter nos prospects. Genre Chesnikov là, qui est potentiel élite. Laurent Dauphin, tout, on va monter ça à first line. Simplement, on peut enlever Mueller. Peut-être qu'on a un prospect qui joue pas aucune bonne valeur. Holmstrom, on va mettre Holmstrom. Cunningham, on va le garder quand même. Là. Il est pas si vieux que ça. Garrett Rose, l'ancien de Chicago. Bunting, top 6 AHL. Saddowy, on va le mettre Saddowy. C'est Saddowy. Oui, Schwartz. Fournier, non, ok. Centre. Anderson, on a checké tantôt, je pense. Ouais. Mueller, on vient de l'enlever. Lui, rien. Hen, ok, top 9. Puis Dominique Turgeon, ok. Puis lui, il est bon. Ouais, ok. Fait qu'on a les trois centres à mettre. Donc, on va mettre lui ici. On va enlever Gaudet. Pour mettre Turgeon. Puis on va enlever Selek pour mettre Vaantalo. Donc c'est ça nos lines. On va juste peut-être monter Turgeon à la place de lui. Cunningham, ben c'est ça. Hinn, on va mettre là. À défense, on a des prospects. On a Connor Murphy, 24, 23 ans. On va laisser une dernière année dans la Ligue américaine pour qu'il se développe bien. On a D'Angelo, ok, ça c'est bon. On a ceux qui jouent pas. Mermi, Young, puis Hornick. Ok. On va juste descendre Thénardier dans la Ligue américaine. Donc, option. Composition. J'ai pas l'intention de faire les séries cette année. Si on les fait, c'est un bonus. Sinon, on s'en fout un peu. Cadillac. Oh, ça vaut pas la peine. Faut mettre McBain. Connaughton, t'as quel âge? 26 ans. McBain, c'est 28 ans, c'est ça? Je pense qu'il faudra aller changer un défenseur. On va aller voir devant le filet, voir qu'est-ce que ça donne si on a des prospects. Gardien. On a Peters, réserviste. On va mettre. On va garder Justin Peters. Hein. On est obligé. Puis la NHL, c'est Domingue puis Mike Smith, là, sûrement. Ouais. C'est ça, puis là, Mike Smith, 34 ans, ok, il commence à être vieux. Donc, on a bien de la job à faire en masse avec ça. On va garder Shane Doan, il reste plus grand temps sa carrière. On va aller juste voir les valeurs des joueurs qu'on a, qui sont élevés, puis tout. Puis peut-être même aller signer des agents libres. On a 49 sur 50, fait qu'il faudra libérer 2-3 joueurs. Bon. Donc, on a vraiment pas de valeur. On a Eggman Larson. Wow, ok. Ça va être difficile comme DG. Je peux vous le dire tout de suite. Donc. Wow. Donc, on va aller commencer par donner des tout nus. Genre Anderson. Après. Smith. Puis Garrett Rose. Eux, vous pouvez pogner les trois. Donc, donnez-moi un choix de troisième ronde. Ça va sûrement marcher, je pense. De cette année, là, au moins. Troisième ronde. Est-ce que ça passe? Comment je fais pour faire le train? Ok, on va y aller avec le choix de quatrième ronde. On s'est crossé, mais on s'en fout quand même. Bon. 46 joueurs. Donc, on peut aller chercher des agents libres. Je sais qu'il y a une couple d'agents libres popés, là, comme Chris Russell. Donc, Chris Russell, je suis prêt à lui donner un gros contrat parce qu'on a de la masse. On a de la marge en salle. Donc,
Tu veux un an, toi? On m'a donné 2 ans quand même. 2 ans à 5,1, 5,150. On a 4. Il nous reste quand même de l'argent. Seidenberg, non. Puis déjà, je suis allé chercher Russell, puis on n'a pas besoin d'attaque. De def. Sean Bergenheim, tant qu'on a joué. Tu jouais où le tout l'année passée? Je suis-tu intéressé par lui? Demande combien? 3,2? Non, pas du tout. Patrick Elias, non. Tetsu aussi. Bof, pas une trop grosse saison l'année passée. Y a-t-il des prospects? Ouais, ok. Grimaldi, est-ce qu'on signe Grimaldi? Bon, on peut le signer. C'est 3 ans. Tu veux 700 000? Moi, t'as le donné. Moi, même t'as donné 800 000. Hamilton, 22 ans. 24 ans, 72, bof. Ryan Sproul, oui, tout je te veux. Martin Riway, on va le signer aussi. Après, quoi d'autre? Je peux signer trop de joueurs non plus là, parce que je peux en signer 4 puis je n'ai offert 4. Devant le filet, y a-t-il de quoi? Bon, ok, je suis allé trop vite pour le jeu, il a pas aimé ça. On pourrait se pogner du Brice Galoff comme first goaler, mais à 5 millions, je suis pas intéressé pantoute. Puis y a pas de prospect, il y a juste lui. Mais je suis pas intéressé. Fait qu'on va aller changer juste un autre joueur pour être sûr que. Parce qu'on sait jamais que ce jeu-là est tellement buggé. Puis là, les prospects de cette année, faudrait que je me renseigne. Je sais aucunement c'est qui les prospects qu'on peut avoir de bon. Fait que Fournier, il doit avoir une équipe qui le veut. Hein. Ouais, les Bruins, sûr tu le veux. Un choix de 6e ronde cette année, je pense que ça va être bon. Tiens. Fait que là, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Faudrait qu'on aille checker les joueurs qui sont admissibles. Ben, qui sont prêts à échanger. Donc, joueurs transférables. Pas mal de jeux des choix de première ronde. On les voit au Chicago. Je sais qu'ils ont une corpore de joueurs peut-être qu'ils veulent donner. Allez, checker leur valeur, et ça, nous, on a rien. My God, ils ont assisté. McNeil, 80, c'est bon. Hartman, 79 aussi, c'est bon. Mais semble, c'est pas. Ils ont un joueur de Schwartz, comme ça. C'est genre un assez bon prospect qui ont l'attaque. C'est juste le meilleur prospect qu'ils ont. Je sais pas, il peut-être pas dans le jeu. Ce serait bizarre là qu'il soit pas dans le jeu. Bon, leur joueur qui a le moins de valeur, c'est Kruger. C'est assez bizarre. Non, Ginla, je suis pas intéressé. Zetterberg, Franzen, Cronwall, non. Ferentz, non plus. Jagr, non. Watson. Ok, mais on a pas été chercher Lawson Cross, nous. Il est pas dans nos meilleures valeurs. Lawson Cross. Cross, non. Ils ont décidé de pas nous le donner. Ou ça, je pense, c'est juste peut-être. Ah, oh, statut en reconstruction. Ah, oh, ok. Optimiste. Ok. Prétendant. Wow, là. Bon, ben. Je pense que là, je vais aller relocaliser notre team. Puis après, je vais faire une avance rapide. Tout de suite, je pense, je vais même dire les mots de la fin. Mais je vais aller objectif du président, puis tout. Proposer déménagement. Je vous autorise à négocier. Là, on va à Québec. Québec. Vous pouvez entamer les négociations avec Québec. Ah, port de placement du stade par. Ok, port de financement. On va mettre ça. On va mettre 23 ans. Partage recette du stade. On va mettre 5. On va mettre 6 ici. 5. Bon, est-ce qu'il accepte? Oui, ils ont accepté. Conclure la transaction. Puis là, vu que ça c'est long,
Je vais faire une avance rapide, puis je vais aller rejoindre le groupe avec mes amis parce que c'est ça me tente pas de rester une demi-heure tout seul. Fait que je vous en reviens après quand j'ai fini. Above my head.
Bon, je pense avoir tout fini, j'ai pas fait les musiques pis tout parce que ça m'intéresse pas. Puis c'est pas comme si j'allais souvent dans jouer des games dans le fond. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui, on a seulement fait ça, mais écrivez en commentaire si vous voulez vraiment les coyotes, mais pour eux, je pense que je vais garder les coyotes. Quel joueur on pourrait aller chercher, puis si on devrait vraiment y aller peut-être le tout pour le tout ou vraiment finir dans les bas fonds. Puis genre aller chercher vraiment des bons prospects puis tout. Parce qu'on a quand même une bonne équipe. Si on va chercher un goaler puis un autre défenseur, on pourrait peut-être. On a peut-être des chances d'aspirer pour la Coupe Stanley quand même. On a quand même une bonne attaque là. Mais fait que c'est ça. Donc si on pourrait se rendre au moins à 50 likes pour le premier épisode du Domaine des Jeux, ça serait parfait. Fait que je vous dis ciao à tout le monde et à la prochaine.